Younes, lève-toi. Hé, lève-toi. Hein, c'est qui? Bah comment ça, c'est qui? C'est le livreur de colis. Un colis, oui. Lève-toi, je reste concentré. Myriam, elle est encore à la maison, à voir ce qu'elle fait. Elle est toujours pas allée à l'école. Comment ça, Myriam, elle est pas à l'école? Va voir ce qu'elle fait, elle est toujours pas allée à l'école, Myriam. Tu l'as pas accompagnée? Bah non. Vas-y, attends, laisse-moi 2 minutes. C'est une blague, Yacine, mais elle fait quoi encore dans son T'avais lit? dit, hein. Myriam, s'il te plaît, réveille-toi. Hé, hey, Myriam. Myriam, réveille-toi. Oh, réveille-toi, Myriam. Vas-y, réveille-toi, je rigole pas là, tu fais quoi dans ton lit à cette heure-là? Quoi? Lève-toi! Tu fais quoi, pro? T'es pas à l'école! Myriam! Hé, hey, pourquoi t'es pas à l'école? Arrête de me crier dessus, les vite. Mais pourquoi tu n'es pas à l'école? Tu fais quoi dans ton lit? J'ai pas école! Mais comment ça t'as pas école? Tu te fiches de moi, tout le monde est parti à l'école là! J'ai pas école! Mais comment t'as pas école? Comment ça, dis-moi, pourquoi t'as pas école? Je comprends pas. Tu fais quoi dans cette maison, ici, dans ce lit? Tu fais quoi? Parce que j'habite ici! Oui, mais pourquoi tu n'es pas en cours? Il est où ton sac, tes baskets? Normalement, t'es à l'école là! Mais j'habite. Vas-y, vas-y, prépare-toi, prépare-toi. Dès le matin, là, il comprend pas, j'ai pas école. Oh là là, c'est pas possible, ça, il comprend pas le français. T'es vraiment sûr de toi qu'il n'y a pas d'école? Bah oui, il n'y a pas d'école. Et pourquoi il n'y a pas d'école? Bah parce que ma maîtresse, elle est absente, elle est malade. T'es sûr? Oui. Moi, tu sais que moi, je te crois, hein. Si tu me dis ça, moi, je te crois. T'as qu'à appeler mon directeur, si tu veux. Moi, je te crois si tu me dis ça. Ça, c'est incroyable, ça, Myriam, les Michel, Michel, Michel. C'est le meilleur, les doigts. Pourquoi Younes, il est énervé? Bah, je sais pas, il comprend pas le français quand je lui dis que ma maîtresse elle est absente, il comprend pas. Il te croit pas? Bah non, il me croit pas. Parce que lui, sa maîtresse elle a jamais été absente, de toute façon, il sait même pas ce qu'on va faire. Tu sais comment on met un sac? Comment? Là, tu le crois. Pourquoi tes copains ils ont été à l'école? Bah. Pourquoi ils sont à l'école, ceux de ta classe? Parce que eux, ils ont leur prof. Pourquoi ils sont à l'école? Parce que leurs parents ils peuvent pas les garder. Et alors, du coup, pourquoi ils sont à l'école? Bah parce que. Mais notre prof elle est pas là, peut-être eux, leurs parents ils peuvent pas les garder. Mais si ta prof elle est pas là, pourquoi eux ils sont acceptés à l'école? Bah parce qu'ils vont dans des autres classes. Et pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi tu l'as pas pris, Yacine? Elle va dans une autre classe. Je sais pas, moi. Il faut pas qu'elle reste à la maison. Mais je vais rien faire dans une autre classe, je vais m'asseoir et je vais rien faire. Comment ça dans une autre classe? Donc là tous tes potes ils sont partis dans une autre classe et. Donc toi t'es là en train de jouer au pistolet haut pendant que tes copains ils sont à l'école. Vas-y, vas-y, rentre à la maison, vas-y, vas-y, prends ton petit déjeuner, rentre, tu vas faire des devoirs, toi t'es malade toi. Ses potes ils sont dans d'autres classes. T'avais pas, moi c'est pas la peine de me crier dessus, Younes, moi je sais pas, moi, elle m'a dit il est pas là, il est pas là. Pas à l'école, j'ai pas école, je n'ai pas école. C'est comme si l'école était fermée et toi tu veux quand même m'amener à l'école, je vais aller où? Je sais pas si Myriam me raconte des bêtises ou pas, parce qu'à cet âge-là, je me dis que ça se trouve, elle est fatiguée, elle a envie de faire ça pour rester à la maison. Il faut pas qu'elle reste à la maison. Quand vous avez de l'école, allez à l'école. Comme tous les enfants du monde, c'est obligatoire. Je sais que des fois, c'est un petit peu chiant. Je sais que se lever à 8h, c'est un petit peu relou, mais on l'a tous fait. Moi, je l'ai fait, Yacine, il l'a fait. Tous les grands, ils l'ont fait, c'est passé, et un jour, ça va passer. Faut ton carnet, il fait, je vais revisiter si t'as pas été exclu, parce que peut-être t'es exclu, tu veux pas nous le dire. C'est faux. Mais comment je pourrais être exclu? J'ai des bonnes notes, je travaille bien, j'ai jamais eu de mots dans le carnet. Il y a que des mots pour les sorties, que des mots pour les photos de classe. Et ta maîtresse t'a jamais rien dit? Bah juste que je bavarde un petit peu et après bah c'est tout. Pour ça tu bavardes? Mais j'ai bavardé un petit peu. Donc t'as été exclu pour bavardage? Mais n'importe quoi, j'ai pas été exclu pour bavardage. Ah va à la toute dernière page, tu vas voir. Rien, elle est vide la page. Donc si elle est vide t'es exclu, t'es plus dans l'école alors? C'est que des mots pour la crêpe, regarde. Dans le cadre de l'organisation d'une crêpe, des ventes de crêpes. A few moments later. Les gars, pendant que vous êtes à l'école, moi je joue à Fortnite, je veux faire un petit kiff. Les gars, pendant que vous êtes en train d'écrire, vous me faisiez mal aux mains, vous lisez, vous apprenez vos poésies, vous écrivez vos devoirs, vous faites... Salam, salam, est-ce que tu vas bien? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Ah, on m'appelle. Allô? Incroyable, les gens ils l'appellent, du coup je peux jouer. Enfin, les gars, on va jouer, hein. C'est pas, attendez, les gars, faut que je demande à Younes, après il va péter un câble. Younes! Je pour te demander, est-ce que je peux jouer à Fortnite? J'ai eu un appel et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? C'était pas ta prof. Faut que ça se trouve, elle sera toujours pas là, sa prof. Hein. Ah ouais? Ma prof, elle est pas là? Je sais pas. Donc, c'était pas elle qui m'a appelé, donc je sais pas. T'es peut-être viré de l'école, en fait, ils s'en foutent, toi, ils t'appellent pas. Hein. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Y'a quoi, frère? Y'a rien, laisse-la jouer, elle a le droit de se détendre. Elle est toujours aussi nulle. Je sais pas, on va regarder. Mais tranquille, on est au sport. Oh, y'a grave des gens. Non, elle est pas là, la manette, je l'avais cachée. Pourquoi tu l'as cachée? Mais c'est toi, on te voit en bizarre, frère. Branche-la en USB. Les gars, ça c'est ma map. D'ailleurs, ceux qui veulent m'affronter, le code, je l'ai juste en bas. Ah, je suis un bâtard sur cette map. Bah, je suis un bâtard. Attends, déjà je prends ça. Ok, vas-y. Je prends ça, je prends une pote. Si tu te fais tuer, tu vas à l'école. Quoi? Je veux contrôler madame d'or. C'est ma map ici. Premier qui vient. Ok. Elle a fait un kill. Éliminé. Elle est trop fort. Toujours se mettre. En fait, les gars, j'ai une technique pour vous. Oh là là. Je l'ai tué de là-haut. Mais descends maintenant. Tu campes. Oh, mais pourquoi il tue pas lui? Mais ouais, mais c'est un abonné. Et alors? Toi là, viens là, Iliesma, viens. Tire, wesh. Je peux rien faire, regarde. Ils trichent, ils se sont tous mis contre Myriam. Vous voulez tricher, donne-moi la manette. Le gamin, il s'est mis un bouclier. Toi, tu meurs. Wow. Et toi, tu meurs aussi. Wesh. Voilà. Toi, tu vas mourir aussi.
Mais voilà. Yassine, ouais, ça y est, attends, on va tester. On est à l'école, ça y est, ça y est. Non, mais elle vient pas, Yassine, hein, je t'assure. Hein. Pourquoi? Mais elle vient pas, frère, elle devrait être à l'école, on est mardi. Mais sa prof, elle est pas là. Mais que, arrêtez de me dire ça depuis ce matin, je vais péter un câble. Voilà, appelle l'école si tu veux. Non, elle vient pas, elle est censée être à l'école, elle fait des devoirs, oui, Yassine. Mais autant rester à la maison, elle peut faire une petite sortie quand même, faire un peu de sport. Mais Yassine, les enfants de son âge, ils sont où hier? Il est 14h, il est où? C'est simple. Est-ce que dans ton école, tu fais de l'EPS? Bah là, c'est de l'EPS. J'ai une dernière question. Les enfants de ton âge, ils sont où en ce moment, Myriam? Non. Les enfants de ta classe, en ce moment, ils sont où? Oui, ils sont de... Non, de l'école. Les gens qui regardent la vidéo le mardi à 14h, vous êtes où? Bah, ils sont à l'école, mais... Tu veux qu'elle soit déscolarisée? Mais Younes, mais sa prof n'est pas là. Vas-y, tranquille, venez au stade. Vas-y, c'est plus mon problème. Directeur, si tu veux, appeler. Ok, regardez, vous faites n'importe quoi. Regardez, ils sont où les écoliers, là? Regardez. Ah oui, bah, c'est l'EPS, regardez, ils sont où les gens à l'école? Ils font du sport. Vous voyez, ils font du sport, les gens. Dit, mais ma maîtresse, elle est pas là. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Du sport, là. C'est tellement incroyable. Je suis au stade et tout le monde est à l'école. Mais les gars, ils veulent pas comprendre. Ma maîtresse, elle est pas là. Ils veulent pas comprendre. Tu vois, à l'école, j'ai fait du foot dans la cour de récréation. J'étais au goal et j'étais en attaque. T'as dribblé des gens ou... Ouais, j'ai dribblé des gens. J'ai fait des virgules petits bons. Après, j'ai mis une frappe et des fois, j'étais au goal et j'ai arrêté toutes les balles. Il y a encore deux abonnés qui ont pas d'école, là. Il y en a qui sèchent l'école. Je vais vous montrer, vous les séchez l'école. Regardez ce qui vous attend. Tu vas te refaire la passe, Mimi. Oh, les gamins. Là. Ouais. Oh, il a arrêté. Oh, celle-là, il n'y a pas rien à faire. Tu t'appelles comment? Oudeifa. Pourquoi t'es pas à l'école? Il est 15h et on est mardi. Hein? Je termine à midi. T'es sûr? Ouais. Ok, lui, pour lui, ça va. Mais elle? Mais ma prof, elle est pas là. Moi, je la crois pas. Moi, je la crois pas que sa prof, elle est pas là. Comment? Les profs, ils sont là, normalement. Oh, bah ouais. Moi je vous ai dit Yacine, vous me mentez. Ma prof elle est malade, vas-y appelle mon directeur si tu veux. Myriam, si je mets plus de buts que Younes, à l'après-midi tu vas pas à l'école. Sinon Younes va t'emmener à l'école. Vas-y. Même s'il n'y a pas ta prof. Il n'y a pas de Covid. Oh les tricheurs. Oudeifa, ça vient. Oh là là, le gamin il fume. Qu'elle aide à dribbler. Ok. Aïe. Si là s'il marque pas là, tu vas à l'école. Ok. Il va te redribbler. Allez Oudeifa, arrête là. Oh non. Oui, je vais pas à l'école, je vais pas à l'école. Tu crois maintenant que Myriam elle a pas d'école, Younes? Je sais pas si vous me faites un prank, les gars. Mais je te dis, j'ai appelé son directeur. Sa prof, elle est absente parce qu'elle est malade. Elle a quoi ta prof? Mais elle a quoi comme maladie pour pas être là? Ben c'est privé ça. Tu attends, mais regarde, lundi, mardi, mercredi, 3 jours, elle a quoi sa prof? Et alors peut-être elle est malade. Moi je pense que tu vas arrêter l'école. Tu vas arrêter l'école. Tu veux prendre sa place peut-être, non, dans la maladie? Non. Alors il faut quoi être compréhensif. Vas-y, on rentre à la maison, on va en discuter, on va voir. Eh Yacine, j'ai grave faim. Ouais, va manger là-bas, il y a des restes dans la. Non, j'aime pas le gratin. Tu me feras manger, s'il te plaît. Mais tu vois pas, il y a à manger là. Mange non, j'aime ça. J'aime pas. On va voir Younes, moi je sais pas, on va voir Younes. Non, il y a pas de voir Younes, moi je fais pas à manger. Vous vous débrouillez, je vous montre à tout. Moi je fais pas à manger. Vas-y, je vais crever de faim. Vas-y, va là-bas, je vais préparer un truc, c'est bon. Là, ça te tabasse les burgers. Ah, c'est bon, tu lui as fait à manger. Ouais, ça y est, un petit burger avec des frites. Quoi, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as construit ça. Non, c'est pas moi. Mais pourquoi tu lui as commandé dehors, Yacine? Bah, parce que personne peut lui faire à manger. Mais elle est censée manger à la cantine, équilibrée à la cantine, il mange des choux-fleurs, des trucs comme ça. Pourquoi ouais, tu lui fais ça? On a mangé pizza. Ouais, ça doit être ça. Ouais, pourquoi tu lui fais à manger ça, Yacine? Respecte-la. Elle veut pas manger de quinoa, tu veux que je. Mais c'est pas mon problème, fais-lui un repas équilibré, elle mange n'importe quoi à cause de toi. On va lui faire, toi. Il est énervé à cause de moi, là, pourquoi tu vas pas à l'école? C'est quoi que t'aimes pas? Dis-nous, vas-y, dis-le, c'est bon. Avoue-le, c'est quoi que t'aimes pas à l'école? T'aimes pas quoi? Pourquoi tu vas pas? Tu veux que je te dise? J'aime pas les mathématiques, j'aime pas la science. Après la cantine, des fois les repas ils sont pas bons. Ah oui, j'ai oublié, j'aime pas me lever tôt. Seulement je peux manger comme ça tous les midis. T'habitues pas, hein? Non, après la cantine, on va nous faire des pizzas. Pas à croire les gars qu'elle soit là pendant que tout le reste est à l'école. T'es pas je vais prête, péter un câble. Je dirais, il y a un mouton qui essaie de. Il a fait une machine à laver de 2h25. Oh, c'est une blague. Sur la machine à laver, il y a marqué 2h25, c'est plus qu'un match de foot. c'est toi qui a fait. Pourquoi tu rigoles? Non, je veux voir, c'est pas moi. Tous ceux-là qui sont à l'école en ce moment. On est 11h45 à l'école, pour mon taf. Hein. Pourquoi vous mangez à quelle heure? Nous, à 11h45, on est dans la cantine. Ça dépend, parfois tu manges à 11h, parfois à midi. Moi, je mange en dernier pour faire des foot dans la récréation. Eh les gars, le foot, ça m'a grave fatigué. Là, je vais chez la machine de Younes et Yacine. C'est dommage, l'école, ça existe. L'école, quand t'as pas d'école, t'as grave des choses à faire. Y'a quoi sur Netflix? C'est quoi? Eh les gars, ceux qui connaissent pas Parasite, c'est trop un truc d'ancien. Regarde, quoi, on dirait qu'il y a un Kojak autour de tes jambes. Regardez là, on dirait un serpent, il t'attache comme ça, il te broie les cuisses. Wesh, Myriam, t'es en train de le battre? Ouais. De quoi, wesh? Incroyable, Myriam, vas-y, fais-le. Il se méga cadeau qui vient de venir de la boîte aux lettres. Oh, il y a marqué Familia. Oh, Familia, attention. Ah, c'est
c'est un t-shirt familial, c'est les gars. Regardez derrière, il y a marqué coach. T'es un coach. Ah, je sais. Nous, on a une équipe sur notre deuxième chaîne YouTube, Foot Familia, où on entraîne des joueurs, font des matchs, ils font des détections avec des clubs pro et tout. Et on a reçu notre maillot. Regardez, Familia FC, c'est la base. Et là, coach. C'est le plus gros match de la semaine aujourd'hui, donc il va falloir être vraiment sérieux. Ouais ! Voilà, merci. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne Foot Familia, allez voir, on est des entraîneurs, notre équipe elle est trop forte, machallah. Et tu me prépares tes affaires pour demain, ta maîtresse, ça va être là demain à ton avis ? Je sais pas. Non, tu sais pas, Myriam, ne commence pas, t'as raté déjà un jour, ta maîtresse, ça va être là demain je ou pas ? Je sais pas. Mais comment ça tu sais pas ? Bah peut-être qu'elle est encore malade. Tu en prépares tes affaires pour demain, à 8h du matin, inchallah, demain on va l'appeler. Je vais entendre sa voix, si elle me dit qu'elle est malade. Tu veux rester à la maison ou tu veux encore y aller dans une autre classe ? Bah je veux rester à la maison. Elle a le droit, si sa prof elle est pas là, Younes, elle va pas. C'est mieux qu'elle aille à l'école. Hein. Eh, dites-moi en commentaire si vous pensez que sa maîtresse elle va être là demain ou pas. Vas-y, prépare-toi pour demain. Eh les gars, j'aimerais trop qu'elle soit pas là, ce serait une dinguerie. Bref, les gars, sur ce, on va vous laisser là. Ciao, ciao!